Yo, comment tu vas? Aujourd'hui, je vais t'apprendre le double tour du monde. C'est parti. Pour apprendre le double tour du monde qui est le LATW, il te faudra beaucoup de rapidité mais aussi de l'entraînement. Si tu sais pas faire le tour du monde, le ATW, je t'invite à regarder mon tuto qui se retrouve juste ici. Et on peut passer à la suite. Étape 1. Tu vas prendre le ballon à la main et tu vas laisser un rebond. Comme ça. Une fois que tu as laissé le rebond, tu vas faire le tour du ballon deux fois avec ton pied. Comme ça. Ça va t'aider à avoir de la vitesse et à bien réaliser le mouvement. Je te montre. Tu laisses un rebond et tu fais le tour deux fois. Comme ça. Tu peux aussi t'entraîner sans le ballon. Ça fait un peu con, mais ça t'aide. Maintenant, tu peux passer à l'étape 2. Étape 2. Le plus important dans ce geste est de bien lifter la balle pour bien la monter en hauteur, mais aussi bien droite. Je me répète, lifter la balle, c'est ça. Comme ça. Je te montre en jonglant. Tu jongles et tu liftes ta balle. Bien en hauteur et bien droite. Étape 3. Dans cette étape, je vais te donner un petit conseil. Maintenant que tu sais bien lifter la balle, bien en hauteur et bien droite, tu vas rajouter un petit saut. Comme ça. Tu liftes la balle, mais tu sautes en même temps. Je te montre en jonglant. Tu jongles, tu vas lifter la balle et faire un petit saut pour réaliser le double. Comme ça. Dans la vidéo, je te mettrai un petit ralenti pour bien que tu voies le petit saut. C'est un geste assez difficile, dis-moi dans les commentaires si tu as réussi ce geste. Je me ferai un plaisir de répondre à tes questions, à n'importe quelle question. Dis-moi dans quel geste tu veux apprendre dans le football freestyle. Commente, like, abonne-toi. Allez, puce!